Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 4 de Deltarune. Comme d'hab, toujours rien à dire, donc on commence. Hey petit, nous avons réussi à réparer ce vieux machin pour toi. C'est une sorte de porte, elle peut t'amener n'importe où. À condition que ta destination y figure. Bref, on continuera de travailler dessus, j'espère qu'elle t'aidera, gamin. Merci. Hé, toi, gamin! Monsieur Société, l'homme puzzle, on répare ces portes. Comme nous n'étions que trois, ça devrait fonctionner sans problème. Peu importe. Espérons qu'elle t'aidera à faire face au roi. Wow. C'est une porte. Où allez-vous? Ouais, donc ça, c'est les endroits où on est déjà allé. Étonnamment, vous y êtes déjà. Ouais. Ah, putain. Un salopin glisse sur votre chemin. Salopin, attaque 8, défense 1. Ce lapin est tellement sale qu'il lui faudra un karcher. Du riz. Attends, mais c'est super chaud! Une odeur de moutarde périmée flotte sur le champ de bataille. Soufflez très fort. Appuyez sur X de manière répétée pour souffler. Un garçon attentionné. Ça va, c'est déjà plus simple à esquiver. Salopin émet un grognement qui sent le renfermer. Vous obtenez 50 dollars. Suzy, Lancer! Est-ce que ça ne serait pas nos soi-disant héros? Êtes-vous enfin prêt pour voir ce qui arrive? Quand on essaye d'agir pacifiquement, face à une équipe qui écrase n'importe qui sur son passage. Lancer, valet de pique! Suzy, hache violente! Ensemble, nous sommes! La Dark Squad 2! Donc, quel est votre, plan machiavélique? Hein? Calmos, on vient à peine de former l'équipe. On n'a rien fait à part la phrase d'accroche pour l'instant. Soyez un peu patient, s'il vous plaît. Oh, désolé. On a, hâte de voir ce que ça donnera. Bien, vous n'aurez pas à attendre longtemps. Dès maintenant, on va travailler sans s'arrêter. Et sans se faire arrêter! Afin de créer un plan diabolique pour vaincre les clowns! Surveillez vos arrières. Et vos avant! Ils sont mignons en vrai. Ne me dérange pas, je fais une pause. Aidez-moi, j'ai besoin d'un cadeau pour l'anniversaire de mon ami Tréflette. Ses seuls intérêts sont le sport, les garçons mignons et les arbres. Peut-être que je devrais simplement lui offrir une carte. L'ami qui en a pas grand chose à foutre, tu sais. Peut-être que je mettrai de l'argent dans la carte. Non, j'en ai besoin. Quel radin! Ah, putain. Comment avance ce plan diabolique? Hein? Oh, ça? On en a eu marre, donc on prend un casse-croûte. Je vois. Ça va, tout ce que j'ai pris au petit-déj, c'est une craie! Et moi, je n'ai rien mangé du tout! Désolé, qu'est-ce que vous mangez au juste? Juste un petit en cas que j'ai caché au creux de la souche. Et c'est... un vrai régal, mon bon ami! Chris, veux-tu goûter? Faire goûter à Rassay. Oh, il y a un pot de miel et... il est plein de sauce salsa. Bingo, mes petits bouts de chou. C'est ma cachette secrète, je t'en prie, goûte-moi ce délice. Miam, c'est délicieux.
Hey, tu fais juste semblant de le goûter. Oui, c'est ce que je fais moi aussi. Hein? C'est une souche avec une sorte de garde-manger à l'intérieur. Bah, tout le monde est fatigué? Toujours. Ok. Oh oh. Non! Ah putain, presque. Hein? Je ne fais qu'une petite balle. Je ne veux pas parler de quoi que ce soit. Oh. Vous m'avez tout l'air d'être des héros. Prenez l'écharpe de ce coffre et vainquez le roi. Par contre, elle est usée en lambeaux et elle ne me va plus. C'est à ça que sert le coffre. Arranger les vieilles affaires. Je travaillais au château jusqu'à ce que le roi vire tout le personnel. Quel était mon travail? Oh, j'étais d'un porte-manteau royal. Non, il dit rien. Derrière se trouve Chiffon. Oh putain. Voilà. Entrez le mot de passe. Note, vu que tout le monde l'oublie toujours, il est marqué en haut. Ajoute une moustache. Comme ça? Ouais, c'est parfait. Alors vous deux, on se déroule vos magouilles. Hé, hey, regardez pas, ça gâcherait la surprise. Ok. Eh bien, regardez qui voilà. Mes beaux petits pois que j'adore. Hey, tu t'entends parler? Oups, désolé. Suzy essaye de me rendre plus grossier. Oula. Hé, hey, merci d'avoir fait l'énigme pour nous, tocard. Merci beaucoup, les tocards. On avait du mal. On a besoin de ça. Ok. Pique, carreau. Et trèfle. Pique. Carreau. Et trèfle. Ouvrez le coffre. À l'intérieur se trouve le bracelet D. Le bracelet D dans vos armures. À qui est-ce que je le donne? Boing boing. Brise la boîte pour un bracelet. Boing boing. Ça augmentera ta défense. Le roi veut éliminer les lighters, mais nous, on n'accepte pas. On s'est échappé, mais les autres ont été arrêtés. Moins je combat de monstres, plus ça m'arrange, hein, je vais pas vous mentir. RK est passé par ici, quel beau gosse! Il a vandalisé l'énigme pour arrêter Lightner, mais on connaît la réponse. Oh, vous voulez passer? Bien sûr que nous allons vous donner la réponse. Le premier symbole est un cœur. Comme l'amour, ça aide? Un cœur. Cœur, c'est comme ça, voilà. Une énigme, un symbole. Ils étaient tous différents, il me semble. Tu peux toujours voir les couleurs qu'il y avait, donc c'est bon. Désolé, je ne peux pas plus vous aider. C'est déjà pas mal. Hein? Une énigme? Qu'est-ce que ça peut nous faire? Aucun des symboles n'est un trèfle. Ah, c'est carrément insultant! Donc aucun n'est un trèfle. Et voilà. Hé, hey, c'est mon anniversaire! Et vous dites pas bonjour? C'est pas grave.
Venez dire bonjour, les amis. Non, ils nous méritent pas. Eh, du calme, vous deux. Fête-en mon anniversaire. Ouais, ça va faire mal. Oh, désolé pour ça. Aucun boss. Tréflex se rapproche. Examiner. On va peut-être te soigner, Alcey. Attaque 8, défense 2. Deux têtes valent mieux qu'une. 3, peut-être pas. Ravi de vous rencontrer. Crève, crève, crève! Par pitié, ignorez-les. Oula. Ah! Réflexe se chamaille avec elle-même. Parlez, garçon. Quel genre de garçon aimez-vous? Et mignon? Les gentils, comme moi. Aucun, je veux dire, tous. On dirait que Tréflette aime parler de ça. Les lunettes sont mignonnes. D'où? Lunettes, c'est ça. Lui? Ok. Tréflette fredonne comme un cœur désaccordé. Parler anniversaire. Que voudriez-vous pour votre fête d'anniversaire? Faisons un brin de causette. Idiote! Comme devant un cadeau! Parlons de ce qu'on aime. Il semblerait que vous devriez changer de sujet. Oh merde. C'est mon anniversaire! Quoi? Non, c'est mon anniversaire! Nous sommes des triplés. La fête murmure quelque chose à propos des garçons mignons. Sport. Aimez-vous, le sport? Je veux manger un ballon. Le sport, mon plat préféré! Je vous aime toutes les deux. On dirait que Tréflette aime parler de ça. Spaghetti et balle de tennis. C'est du génie! Nous sommes d'accord là-dessus. Tréflette semble épuisé d'avoir autant discuté. Ah, parfait. Voilà. 88 d'Arc de l'Art. Au cœur de la forêt, une vente de pâtisserie se déroule. Le pouvoir des ventes de pâtisserie brille en vous. Voilà. Ah, une porte cool. Attends, peut-être qu'il faudra peut-être l'activer, je sais pas. Intéressé par un choco de carreau? L'argent récolté ira au fond d'aide pour Udine, je crois. C'est 40 dollars. Allez. Merci, je crois. Les chocos à carottes. Le choco à carottes, vous avez ? Hattie vend un beignet au cœur. Les profits destinés sont à la vente de Hattie. Il vaut 40 dollars. Allez. Hattie semble heureuse. Le beignet au cœur est ajouté aux objets. Ouais. Bien le bonjour, gentil clown. Que diriez-vous d'un cookie lancer? Les profits récoltés serviront à vous botter les fesses. C'est seulement 40 dollars. Allez. Merci. Le cookie lancer a été jeté aux objets. D'être tombé dans notre piège. Nous pouvons investir cet argent dans un plan machiavélique. Bon, comment on se partage ce beignet gélatineux? Je prends le sang et toi la peau. Si je peux me permettre, que vient faire un beignet dans vos plans? Ton vrai plan mérite une bonne friandise. Tu devrais aller à l'école du plan, docteur dentifrice. Oh, ouais, passe un deuxième doctorat, grand malin. Est-ce qu'on se moque de moi? Et si on se le séparait en deux? Ouais, une magnifique nouvelle idée diabolique. L'innovation, c'est l'essence même du mal. Eh bien, je suis le maillet forgeron. Je peux tout réparer. Armes, armures. Je peux même vous réparer. Alors, qu'est-ce que ça sera? Oh, rien. Eh bien, bon voyage, mes amis. Salut. Ah bah voilà, je vais sûrement pas pouvoir les esquiver. Non! Les bloxeurs s'assemblent.
Boxeur, attaque 9, défense 2, aime les entraînements, déteste les corps difformes. Voyons ce que vaut votre défense. Yeah! Boxeur réfléchit à ses entraînements. Réarranger et défense. Bloxer est ravi de son nouveau corps. Oh, tu m'as remis dans l'ordre! Oh, t'as interrompu mon entraînement! Bloxer envisage de construire une maison en dehors de son corps. Réarranger et épargner. Oh, tu m'as remis dans l'ordre. Ah merde, je me suis fait quand même pris. Et merde. Bloxer rayonne de joie. Vous obtenez 89 dollars. Là, je peux parler à la chenille. Avant l'arrivée du roi, je mangeais les feuilles de cet arbre. Ce que je fais toujours. Tel est le destin d'un ver de terre. Ver de terre? Tel est le destin d'un ver de terre. Ok. Ah, il n'y avait qu'un bloxeur ici. Oula. Non! Mais putain! Menthe fraîche? Qu'est-ce que c'est? Soigne un max PV en allié à terre. Oh! Ça, ça peut être bien, ça. Oh misère, oh malheur. Si seulement un héros pouvait me venir en aide. Lancer, est-ce que tout va bien? Je ne suis pas Lancer, je ne suis qu'un gentil petit garçon. Et pourquoi un gentil petit garçon porterait-il une moustache? Pour se déguiser. Évidemment. Et donc, de quel genre d'aide as-tu besoin? Voyez, il y a ce plan diabolique que je dois faire. Et pourquoi un gentil petit garçon a besoin d'un plan diabolique? Pour impressionner sa super amie Suzy. Hmm. Chris, si c'est au nom de l'amitié. Dans ce cas, nous aiderons avec joie. Que devons-nous faire? Tout est sur le papier, ma bonne petite poire. Leur plan? Remplissez-le avec toutes les choses diaboliques que vous trouverez. Oh oh oh! Que le générateur de contenu pour clown commence! Créer une machine pour vous botter les fesses, présentée par l'industrie Lancer, qui vient d'être créée. Tête. Alors, un canon enchanté avec une pointe de mystère. Une lame de garçon manquée, réservée aux événements spéciaux. Brûlant de désir, ou vous faire rougir. Un déchet, vous allez perdre des points. Elle est la flamme parce qu'il a un côté sexy. Quelle couleur? Comme ça. Un châssis aérodynamique pour une raclée élégante. Un châssis rapide pour une raclée de garçon manqué. Un châssis pour amoureux des gros calibres. Le canon est très séduisant. Rien qu'en regardant ça, vous perdrez des points. J'aime bien le donut en vrai. Comme ça. Des chaussures de sport pour une machine à racler athlétique. Des pneus attrayants pour rouler les cheveux au vent. Des chenilles acérées pour des dîners sophistiqués. Vous allez perdre des points. Ah, il faut que je prenne un peu de tout. Donc soit des baskets, soit le canard.
Le canard, c'est beaucoup plus drôle. En violet. Voici votre machine, ça vous va? Ça fiche la trouille! Vous êtes sûr de ne pas être machiavélique? Non, on doit avoir un don pour ça. Haha! On vous a eu, imbécile! Ne faites jamais un truc qu'un autre peut faire à votre place! Haha! Ça a même l'air un peu rapide! En tout cas, bon boulot, Lancer. C'était des cibles faciles. Haha! Oui, tout ça grâce à nos ennemis. Merci beaucoup! À la prochaine raclée! D'accord. Ok. C'est bien que Suzy ait enfin trouvé un endroit où s'intégrer. Et qu'elle s'entende bien avec Lancer aussi. C'est vrai, il a raison, là. C'est cool pour eux. Ah! Les Starman. Ah. Merde. Attends, c'est super dur à esquiver, leur... Merde, non. Non! Perde sur ça. Il semblerait que nous ayons atteint une fin. Allez-vous réessayer? Oui. Alors le futur est entre vos mains. Eh bah... Ah, on recommence là. Ok, oh, c'est cool. Bon bah pas de... Par contre je garde le même nom de PV... Oh! Merde. Faire attention! Vite! Donc là, normalement, c'est là où il doit y avoir la salle de l'œuf. Donc, c'est parti. Normalement, il y a aussi l'original Starman. Il est où? Mais attendez, il est où? C'est censé être là, l'original Starman, non? Ah bah oui, il est là! Ces oiseaux m'emmerdent sévère! C'est moi le vrai Starwalker! Ah oui, Starwalker, pas Starman. C'est tout? Ces oiseaux m'emmerdent sévère. C'est moi le vrai Starwalker. Ah putain, c'est la première fois que je le vois, lui. Oh, je l'ai eu rapidement. Il se trouve derrière l'arbre. Putain, je l'ai trouvé rapidement, attends. Oh. Ah, je... Eh, je savais pas que... Mais c'est vraiment comme une salle de Gaster, en fait. Je savais pas qu'on pouvait aller dans le void. Il se trouve derrière l'arbre. Mais je suis derrière l'arbre. Attendez. Mais quoi? Comment ça? Il se trouve derrière l'arbre? Il est où? Eh bien, il y a un homme ici. Il vous donne quelque chose. Oui. Vous avez reçu un œuf. Elle est étrange, cette musique. Oui. Ni très important, ni très insignifiant. Ah, non, j'aurais dû donner le gâteau brisé à l'autre mec. Je peux y aller. Pourquoi ils m'ont ramené là? Eh bien, je suis le maire. Oui, bon, c'est bien, tout ça, on l'a eu. Réparer un objet. Ce gâteau déborde d'énergie. Vous devez me laisser les réparer. Admirez ma technique. Le gâteau cassé a été réparé et est maintenant méconnaissable. Le gâteau cassé est devenu le gâteau parfait. C'est vraiment un beau gâteau. Utilisez son pouvoir à bon escient. J'ai presque plus de place dans les objets. Hein. Oh, 160. Oh, 160, intéressant. Ah non, putain, c'est reparti. Tournez autour du centre et regardez attentivement. Plus il fait sombre, mieux vous pouvez voir. C'est joliment poétique, en vrai. Donc, je sais ce qu'il y a, mais juste pour celles qui savent pas. Bah, il est où?
Oh non, faut tourner vraiment autour. Ah ! Non ! Non ! Voilà, il est là, l'arbre. Bien qu'il soit difficile à distinguer, il y a un interrupteur dans l'arbre. Même l'arbre est difficile à distinguer. Bon bah, on va pouvoir faire une pause ici avec Suzy et Lancer. Et bah, il n'y a pas de message, donc je vous dis à une prochaine fois tout le monde.